Motion de censure avortée. Diversité d'opinion. Certains députés se sentent trahis après les événements survenus récemment à la Chambre basse. Ces troubles qui ont failli conduire au vote d'une motion de censure. Bon nombre d'entre eux dénoncent les promesses non tenues, à l'instar de Mamangui Norbert, député de Sambave, issu du parti HVM. Selon ses explications, les véritables responsables de ces tumultes ont tenté d'amadouer les parlementaires et ont ensuite sauvé leur peau auprès des autorités étatiques. De son côté, la mouvance Ravalmanen insiste sur le fait qu'en cas de motion de censure, les modalités de nomination du futur Premier ministre restent encore à déterminer. D'ailleurs, il a fallu 4 mois de négociations pour que le nom de Koul Roger sorte du lot, a rappelé le député Girivu Rengenarsu. D'un autre côté, les 109 députés qui ont signé la pétition, affirmant qu'ils rejettent le projet de motion de censure, s'entendent à dire qu'ils n'ont subi aucune pression.